Moi, j'ai été pris par des gros studios pour faire des films de super-héros. J'ai fait plein de rendez-vous avec des films que je ne citerai pas, où je voyais que ce n'était pas pareil. Et un jour, comme quoi, c'était pour un gros studio, une des productrices était la femme de Richard Donner. Richard Donner, c'est le réalisateur de L'Âme fatale. Elle me fait, moi, j'adore tout ce que vous proposez. Vous allez être très malheureux chez nous. Ils vont vous écraser. Merci. Je suis parti. Parce que je sais ma place sur un film à 80 millions de dollars avec une grosse star, où eux, ils veulent faire des films pour des teenagers. Moi, je voulais rendre un peu plus dark. Je vais perdre. Ils vont me prendre mes prises de vue. Ils vont me refaire ça au montage. Je vais avoir 10 semaines parce que c'est contractuel, mais j'en ai rien à foutre. Et leur but, c'est d'avoir des licences avec des McDonald's, avec des Coca, avec tout ça, et c'est pas de faire du film. Et c'est pour ça que ces films-là, tout pourris, ils existent. Pour un Dark Knight, on a 10 4 Fantastiques. Mais ils font plus d'argent avec les 4 Fantastiques. En salle, non. Mais tout le reste, pff, ça passe à 8 heures, dans les chaînes câblées, c'est coupé, tronçonné, remonté, ils sont là.